peur d'enfance. Le redditeur Quimbo Slice 20 se rend chez sa tante dans l'Iowa, aux États-Unis. Il prétend avoir vécu de nombreux phénomènes étranges dans cette maison qui date de 1860. Mais lorsqu'il était petit, il n'avait pas de quoi filmer ça. Cette fois-ci, il est bien décidé à apporter la preuve de ce qu'il vivait. Un soir, il est réveillé à 2h30 du matin par des voix. Il ne réussit pas à les filmer, mais il va quand même capturer ceci. Jesus Christ. Dans une première vidéo, on peut entendre un coup, ce qui terrifie le redditeur. Dans une autre vidéo, on entend quelqu'un toquer. Un autre soir encore, il entend cette fois-ci une voix d'enfant venir de la chambre. Pour le redditeur, ces trois expériences sont bien la preuve qu'il se passe quelque chose d'étrange chez sa tante. Enquête fructueuse. Une chaîne YouTube chinoise de chasseurs de fantômes fait des enquêtes comme on en voit beaucoup, mais ils vont filmer certains phénomènes particulièrement flippants. Par exemple, lors d'une enquête, un des YouTubeurs fait le tour de la pièce avec sa caméra, et il va se passer ceci. Une boîte avec une poupée se trouve sur le meuble. Lorsque le caméraman repasse à cet endroit, la poupée n'est plus du tout sur ce meuble. Dans une autre vidéo, les enquêteurs sont de nouveau dans une maison hantée. Ils installent leur caméra face à un placard, et il va se passer quelque chose d'étrange. On peut distinguer une sorte de main apparaître en haut du placard. Pourtant, rien ni personne ne pourrait être là. Et lorsque les enquêteurs vont vérifier, le placard est effectivement vide. Il se passe beaucoup de choses dans leur enquête, et je vous invite à voir leurs autres vidéos. Le lien est dans la description. Pêle-mêle. Le youtubeur Aoi propose du contenu autour du paranormal. Un soir, il se rend dans une forêt proche de chez lui pour se promener, et il va tomber sur quelque chose d'étrange. Hey, you're gonna get away from my house, okay? You're gonna get away from my house. On peut voir quelque chose ou quelqu'un l'observer, caché derrière un arbre. Le youtubeur semble avoir peur, et pour cause. Le visage se situe à hauteur d'homme, donc ça ne présage rien de rassurant. Quoi qu'il en soit, on n'a pas plus d'infos sur ce que ça pourrait être. On suppose que le youtubeur s'est enfui après ça. Sheila Kelly poste un jour sur son compte Facebook une vidéo filmée sur son Snapchat. L'extrait est très court,
mais on peut voir quelque chose de très étrange. Il y a deux silhouettes qui se déplacent dans le champ à côté de Kelly. Il est difficile de distinguer avec certitude ce que ça peut être, vu la durée de la vidéo. Mais pour beaucoup, le fait que ça se passe dans un champ en pleine journée est la preuve de l'existence de lutins ou autres créatures folkloriques de la forêt. Sceptique. Frank Joseph Finlayson est une personne plutôt sceptique quand il s'agit de paranormal. Il ne croit pas à tout ça. Mais peu après le décès de sa mère, Frank dit avoir vécu quelques phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Il décide d'installer plusieurs caméras chez lui, et en l'espace de plusieurs jours, il va se passer beaucoup de choses. On peut voir une lampe dans le salon bouger, son tableau se met à basculer sans raison, on peut aussi voir une peluche bouger dans tous les sens, et un soir, lorsque Frank regarde la télé, la peluche se met à bouger juste à côté de lui. Il dit qu'il ne s'agit que d'une infime partie des phénomènes qui se passent chez lui, mais jusque-là, il n'a rien fait de particulier pour s'en débarrasser, convaincu qu'il y a une explication logique à tout ça. Village hanté. Les enquêteurs de la chaîne YouTube Scared to Death Zero se rendent à Clune Park, en Écosse. Il s'agit d'un village qui était autrefois habité par des employés d'un chantier naval. L'endroit a été abandonné après que le chantier a fermé, laissant des centaines d'appartements complètement vides. L'endroit serait hanté suite au décès suspect de plusieurs personnes. Les enquêteurs se rendent sur place pour voir ce village et il y règne une ambiance lugubre. Hello? Plus tard dans la nuit, les youtubeurs continuent leur visite et ils vont tomber sur quelque chose de terrifiant. Ah, that one's open. Yo. Do you see movement then? Move the light. Yo. Yo. F*** is that? Yo! There's someone in that window, isn't there? Yeah. You see that face? Yeah, yeah. What the f***? What floor was that? Second floor, man. No, what's that noise, bro? Oh, it's a red light outside that, innit? Hello? Which one is it? On peut voir quelqu'un les observer par la fenêtre. Le visage semble difforme, et en allant voir,
les enquêteurs ne trouvent rien ni personne dans la maison. J'avais déjà parlé de cet extrait précisément parce qu'il était devenu viral, mais je n'avais pas trouvé la source. Cette fois-ci, je vous mets le contexte pour y voir plus clair. Do you see movement then? Move the light. Yo. Yo. F*** is that?